C'est sous un magnifique soleil d'automne et avec des arbres déjà très bien colorés qu'on se trouve aujourd'hui à la station touristique du Chêne où a lieu la relance des activités de Timousse d'Ambrousse. Les familles de la région de Québec ont été invitées à venir profiter d'une journée familiale par excellence entre montagne, forêt et lac. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurai le bonheur de m'entretenir avec la fondatrice de Timousse d'Ambrousse, Joannie Saint-Pierre. Joannie Saint-Pierre, vous êtes la fondatrice de Timousse d'Ambrousse. Hein? Faut dire au début de tout ça, de cette aventure-là, Timousse d'Ambrousse, c'était un blog. Et là, c'est désormais rendu un calendrier d'activités. Parlez-nous un peu du processus de création, finalement, de ce beau projet-là. Bien, en fait, c'est assez simple. En fait, moi, de formation, je suis guide en tourisme d'aventure. Et j'étais beaucoup... je guidais sur le territoire avec mon petit baluchon. Puis un jour, je suis tombée enceinte. Il y a quand même déjà 9 ans de ça. Bien, en fait, 10 avec la grossesse. Et je me suis dit, oh, tout le monde dit qu'avoir un enfant, c'est la plus grande aventure d'une vie. Mais est-ce qu'on peut redéfinir le concept d'aventure? Et comment c'est possible d'emmener nos enfants dans nos activités? Comment c'est possible de se remettre en perspective qu'il y a 80 ans, les femmes autochtones accouchaient en forêt? Sur le territoire du Québec. Puis aujourd'hui, on parle de déficit nature, tu sais, qui est un manque de connexion avec la nature. Et pour moi, c'est un besoin profond, mais ça fait vraiment partie de mes valeurs. Donc, c'est parti un peu comme une plateforme de dire, hey, on est capable, motivons-nous, mais en même temps, on apprivoise la parentalité à travers ça. Donc, on est content de voir que les gens nous font encore confiance. Puis on relance doucement, fait qu'on profite des personnes qui sont là pour expliquer qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on veut être, puis où on s'en va aussi avec tout ça. Aujourd'hui, vous avez vraiment planifié une belle journée d'activité pour les familles de la région de Québec. C'est quoi que vous proposez finalement sur place pour animer cette belle journée sous le soleil? Donc, ce matin, on a commencé avec la course, qui a vraiment été un très, très beau succès. Cet après-midi, on continue avec une aînée autochtone qui est là pour nous jaser de son parcours. On va sur l'eau, on fait l'identification de champignons, on a un parcours de draisienne, donc le vélo sans pédale pour les petits. On a de la bannique sur le feu. Fait que tu sais, il y a plein de stations, puis les gens circulent. À chaque 45 minutes, il y a un nouveau départ, donc les gens peuvent circuler puis aller au gré de l'énergie des enfants, là où ils veulent. Les filles, ce matin, mais aujourd'hui même, vous êtes venues profiter du beau temps, des couleurs d'automne avec vos mamans à l'activité de Timousse d'Ambrousse. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ben, on a fait une course. Et ça s'est-tu bien passé? Très bien passé! T'as couru pendant combien de temps, dis-moi? Je sais pas. T'as fait combien de tours, Alex? 6. Wow! T'es une grande coureuse, toi? Oui! Et toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Kellyanne, comme activité? J'ai fait de la course. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une activité de Timousse d'Ambrousse? C'est la première fois avec Timousse d'Ambrousse, mais on joue souvent dans la brousse aussi avec notre marmaille. Et comment est-ce que vous trouvez l'organisation de la journée? Ah, c'est vraiment agréable. C'est parfait. C'est tout à fait adapté là, à la clientèle, aux enfants. Puis c'est très démocratique aussi comme offre. Là, ça permet de, autant aux plus jeunes qu'aux plus grands là, d'y trouver leur compte. Elisabeth Achini, vous êtes l'experte du savoir ici aujourd'hui à l'activité de Timousse d'Ambrousse. Vous êtes autochtone issue de la communauté Innu. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on est intéressé à en connaître davantage sur votre culture? Bonjour. Bonjour. J'ai dit, je suis contente d'être ici avec les jeunes. J'aime les jeunes. Puis c'est une belle activité qu'on va le faire. Il fait beau, puis on va être bien. C'est pas la première fois que vous collaborez avec Timousse d'Ambrousse et Joannie Saint-Pierre. Elle vous a contacté pour que vous puissiez venir profiter de la journée et surtout partager votre savoir. J'imagine que ça doit être important pour vous de justement partager avec les jeunes qui sont sur place aujourd'hui. Oui, c'est important parce que les jeunes, les non-autochtones, surtout petits de même, ils n'ont pas eu encore la chance d'entendre parler les Innu. Et puis, tantôt, je vais leur parler ma langue, puis je vais leur dire un peu qu'est-ce que c'est un Innu comme moi, puis surtout une aînée qui sait le savoir des Innu. Puis je suis toujours prête
à transmettre les jeunes, que ce soit autochtones ou non autochtones. Pour moi, c'est un cadeau que je leur fais. Je suis contente de transmettre qu'est-ce que moi j'ai su, parce que je suis née dans le Bro. Je suis une des dernières générations dans ma génération, là, les dernières qui sont nées dans le Bro. Et c'est très important. OK? Puis j'ai resté 9 ans dans le Bro avec mes parents. Mais c'était tellement beau, madame, cette vie-là. On n'avait rien, puis on pouvait vivre. On est resté dans la forêt, on était libre, puis c'était très, très, très intéressant. Après ça, ma mère m'a obligée d'aller à l'école à 9 ans. Fait que j'avais pas le choix. C'est tellement beau ce que vous venez de raconter. Vous avez tellement raison. Puis c'est beau aussi de vous voir ici aujourd'hui venir partager votre histoire, votre culture, votre savoir avec les enfants. Merci pour votre beau geste. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Puis je suis persuadée que les enfants vont être vraiment accrochés à vos lèvres à écouter l'histoire que vous aurez à leur raconter. Wow, merci beaucoup, Elisabeth. J'ai dit que je vous... J'étais contente d'être avec vous autres, puis que je vous aime, puis pour ça, je vous ai envoyé des becs. Selon vous, qu'est-ce qui distingue les activités de Timousse d'Ambrousse? Tu sais, c'est sûr que c'est une petite communauté. Fait que, tu sais, avec Joannie, tu sais, elle nous reconnaît, puis c'est vraiment amical, puis chaleureux comme accueil. Fait que c'est sûr que c'est toujours intéressant. Puis, tu sais, elle essaie vraiment d'adapter, puis d'aller avec chacun pour les plus petits puis les grands dans les randonnées. Fait que, tu sais, tout le monde se sent le bienvenu. C'est vraiment adapté pour les enfants, puis c'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants, les bonnes valeurs, la nature, le plein air, l'amitié. Donc, c'est vraiment des belles activités là, pour favoriser tout ça. Là. C'est vraiment une grande fierté de voir tout le monde qui prend part à ça et surtout de voir plein d'autres initiatives prendre forme parce qu'au-delà de Timousse, c'est la mission de se connecter avec la nature. Puis on veut voir des familles dehors, on veut voir des enfants dehors, on veut voir des parents qui, même s'ils sont cernés, ils ont le sourire, qu'on se rappelle c'est quoi aussi, tu sais, cette montagne russe-là d'émotions. Puis d'avoir des moments comme aujourd'hui, bien, ça ressort le meilleur de la parentalité et de nos montagnes russes. Je pense qu'on peut dire que votre événement d'aujourd'hui, la relance de Timousse d'Ambrousse, est un réel succès. On peut en juger par la quantité de gens qui se sont déplacés à Duchesnay. Félicitations encore une fois, Joannie, pour votre beau projet. On vous souhaite que ça continue encore de belles années. Évidemment, bien, on invite aussi les gens à visiter votre page Facebook, votre blog, votre site Internet pour rester à l'affût de ce qui s'en vient chez Timousse d'Ambrousse. Merci beaucoup. Bonne journée, bon soleil à tous. On peut réellement dire que c'était une journée de relance d'activité de Timousse d'Ambrousse 100% réussie. Les familles de la région de Québec qui étaient sur place pour profiter de cette journée multi-activité ont eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, rendez-vous sur le site Internet de Timousse d'Ambrousse ainsi que sur leur page Facebook pour rester à l'affût de la diffusion de leur nouveau calendrier d'activités.